super bien, Julie, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes qui? Mais vous foutez quoi chez moi? Marc! C'est quoi ce mec? C'est Bruno, votre coloc! Ah, vous avez rencontré Bruno? J'en suis ravie. Comment ça? Eh bien, c'est dans le contrat que vous avez signé pour la maison. Vous ne l'avez pas lu? Vous avez acheté une maison meublée et occupée par Bruno. Ça fait des années qu'il habite chez vous. Il fait un peu partie du mobilier, si je puis dire. Ah non, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas me dire ça maintenant. Il faut absolument faire quelque chose. Je suis vraiment désolée, mademoiselle, mais il n'y a rien à faire. C'est trop tard. C'est dans votre contrat, page... Oui, d'accord, merci. Mais j'en reviens pas, mais comment on peut vendre une maison habitée sans en parler au moins une fois aux acheteurs? Comment ça, je comprends pas? Je te préviens, Marc, j'enchaîne pas les services de nuit à l'hôpital pour rentrer chez moi et dormir sur ce canapé. Je veux ce mec dehors dès demain. Oui, calme-toi. Assieds-toi, voilà. On est tous les deux fatigués, on a besoin de repos, on trouvera une solution demain. Oh, j'adore ton centre de table. Moi, j'ai fait une nappe la dernière fois, mais j'ai jamais utilisé. Tu fais du patchwork? Ouais, carrément. C'est ma grand-mère qui m'a appris. Et là, franchement, j'adore les couleurs, quoi. T'aimes bien? Ouais, non, franchement, c'est du bon boulot, hein. Les coutures et tout. T'as d'autres œuvres à me montrer? Ouais, regarde, j'ai ça. Ah, j'adore les motifs aussi. J'ai une idée pour Bruno, il est là? Bah, dans la chambre. Bruno, c'est Julie, ouvre s'il te plaît. Salut Julie, t'as bien dormi? Je donne l'équivalent d'un an de loyer et tu te barres d'ici ce soir. Non mais Julie, ça va pas, on a besoin de cet argent, on vient de faire un prêt à la banque pour l'appartement. Alors Bruno, oui ou non? Bah écoute, c'est très gentil Julie, mais ça m'intéresse pas. Tu peux pas me soutenir un peu? Je sais qu'on a besoin de cet argent, mais tu veux vivre avec ce type toute ta vie? Écoute, Julie, je suis désolé. Voilà, tu as raison, j'aurais dû te soutenir tout à l'heure. Je te jure, je suis à 100% avec toi sur ce coup. Je vais tout faire pour qu'il parte et que tu sois heureuse. Je crois que j'ai une autre idée. On va le faire fuir avec des disputes bien violentes. C'est de plus en plus tendu avec Julie en ce moment, non? Tu veux en parler? On traverse juste un moment difficile, c'est tout. Des fois, j'ai l'impression qu'elle a honte de moi et qu'elle se moque de ma sensibilité. Elle a de la patience et de la tendresse que pour ses patients. Et puis, je suis un homme, hein, j'ai pas besoin de ça, pas vrai? Ouais, c'est clair. Mais après, c'est peut-être pas de la honte qu'elle ressent, hein. C'est peut-être juste de la fatigue. Bah, tu l'as dit toi-même. Elle doit être toujours présente pour ses patients, alors peut-être qu'elle attend en retour qu'on s'occupe d'elle. C'est tout. C'est peut-être un manque d'amour envers elle, le problème. Pas du tout envers toi. Tiens. Merci. Allez, Jus. Julie. Oui. Fais-moi un sourire. La vie est belle, regarde. Dure journée. Oui. Et c'est encore pire. Quand un type qui squatte ma chambre me dit de sourire parce que la vie est belle. Marc, j'ai fini plus tôt. Tu me disais qu'on pouvait se faire une petite plage ou un ciné ou un truc dans le genre. T'es sérieux, Marc? Tu crois pas qu'il y a des choses plus importantes à faire en ce moment que faire de la broderie en buvant un chocolat chaud avec l'autre, là? Moi, je me tue au travail en pensant que t'avances le rangement de la maison, mais non! Les cartons sont même pas ouverts!
C'est vachement mieux de saper tous mes efforts à faire partir ce squatter en devenant son meilleur ami. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? J'ai rien fait de mal. Et puis tu sais quoi? Moi aussi j'ai un boulot fatigant. Et moi aussi j'ai besoin de souffler et de prendre du plaisir de temps en temps. C'est pas de ma faute si ta vie est dénuée de tout plaisir. Tu sais quoi, Julie? Tu es aigrie. Voilà, tu as 26 ans et t'es devenue aigrie. Bon, ça suffit maintenant, hein. Vous arrêtez vos conneries. Puis vous venez vous asseoir, là. Il faut que je vous parle. J'en ai marre de vous entendre vous plaindre l'un de l'autre sans jamais vous remettre en question. Marc, t'es quelqu'un de sensible. Et faut pas que t'en aies honte, bien au contraire. Mais enfin, là t'es pas tout seul. Faut que tu sois à l'écoute des besoins de Julie. Parle-lui, écoute-la, rassure-la. Montre-lui que t'es là pour elle. Tu sais, parfois, faut prendre sur soi. Et toi, Julie, t'es une personne forte et indépendante. Il faut vraiment que tu sois fière de ce que tu es. Enfin, un moment, faut que t'arrives à t'ouvrir à Marc. Montre-lui ta sensibilité, tes émotions. Tu sais, ça fera pas de toi une personne faible, hein. Je te rassure. Bon, après, les gars, c'est vous qui décidez, hein. C'est vous qui voyez. Enfin, y a pas 36 questions à se poser. Est-ce que vous vous aimez encore? Est-ce que vous avez envie que ça s'arrange entre vous? Marc, réveille-toi. Quoi? Bruno a disparu. J'ai essayé de l'appeler, il répond pas, il faut absolument faire quelque chose. Mais non, mais il va bien, il a dû partir faire un tour avec ses copains, il va revenir, t'inquiète pas. Je crois que je suis contente finalement. Quoi? Bah que Bruno vive avec nous. En fait, ça m'a permis de me rendre compte de mon comportement envers toi et je suis désolée. Je suis désolée d'être froide et rigide en ce moment, mais je crois que je donne trop aux patients et quand je rentre, bah, j'ai plus de patience. Oui. Non, laisse-moi finir. Je t'aime et j'ai pas honte de toi. Et je vais essayer d'être plus présente pour toi. Mais fais un effort pour être plus présente toi aussi et montre-moi que je peux te faire confiance. Je t'aime. Bruno, qu'est-ce que tu fais là? T'étais où? Julie, viens voir, il y a Bruno qui est rentré. Bah Bruno, c'est pas l'hôtel ici, tu pourrais prévenir quand tu pars. Tu vas bien? T'étais où? J'ai trouvé une nouvelle coloc. Et je pars la semaine prochaine. Bon, bah c'est tout pour moi les copains. J'ai une bonne nouvelle. Ah oui? Ouais. Vous allez pouvoir enfin dormir sur un vrai matelas. Il est bête. Non, sérieux, j'y vais. Je te remercie pour... Hein? Bah, avec plaisir. Franchement, non, c'est cool. Et puis, on se tient en jus. Prends bien soin de toi, Bruno. Allez, à très vite. Bisous. À bientôt. Il va quand même me manquer.